Aïe 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 aïe. Mais oui, nous revoilà finalement dans l'antre de David Jones. Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, parce que moi non, non, il va falloir qu'on revienne dans l'antre de David Jones. Et dois-je vous rappeler que ça peut être considéré comme l'enfer finalement. En fait, tous les week-ends, on se retrouve en enfer, c'est vraiment excellent. C'est incroyable. Bon, bref, sur le coup, les amis, on incarnait Will et on était toujours... Cette musique, elle est incroyable. Je vous jure que je la trouve épique. On était en train de chercher avec Will, tout simplement, Jack qui nous snob parce que le gars, il passe à côté de nous et puis il s'en branle complètement. Ah, par contre, on est sur une plage, là. Il est possible qu'on le voit. Oh, et oui, bah oui. C'est vrai que quand tu vois un mec comme ça, t'as tout de suite envie de lui demander « Excusez-moi, je me suis perdu. Est-ce que vous voulez bien m'aider ?» Bah non, ça se passe pas comme ça. Il fait juste flipper. Oh, c'est génial. Oh, petit duel en plus. Oh là, quelque chose me dit qu'il va être chiant. Quelque chose me dit qu'il va être hyper relou. Wow. Well parried. Ah mais quand il s'agit du... Il t'attaque trop. T'es chiant. Quoi? Well parried. Ouais. Je vais pas vous mentir, en vrai c'est chiant. Il est chaud. Brah! Ok. Eh, on commence dur là. En vrai, il sait pas faire le machin. Ah, je me rappelle de ce personnage dans le film. C'est ironique, hein, évidemment. Je sais pas du tout d'où il vient ce personnage. Mais franchement, je m'en fous. Pas assez intéressant. Sleep forever! Mais arrête de faire la même attaque! Oui, je l'ai. Pareil. Non, je suis pas pareil ça. Mais non, il la déclenche. En fait, je suis obligé de parier. Fun. Fun sur 20. Ouais, par contre, t'as shooté comme là, par contre. Ah, tu peux rien faire, gros. Ah non. Tu vas juste te faire victimiser, en fait. Il fait juste cette attaque, et quand il l'a fait, en fait, je peux pas le parer. Faut le parer, si je peux parer, well mais. Parried. Well parried. Oh là, par contre, tu l'as eu. Là. Ah oui, un dernier petit coup, well je parried. Pense que ça passe. On guard. Prepare to join the forces of the Department. Ah, je croyais qu'il attaquait. Well parried. Non, ok, il fait beaucoup plus mal que moi, c'est chelou. Prepare to join the forces. Oh, of the tu vas faire quoi là? Well fought. Je pensais que ça allait pas marcher, mais si. Waouh, les amis, j'ai failli mourir là. Costco. Je sais pas ce que c'est. Mais... Eh ben oui, ça c'est une bonne morale ça. La morale finalement les amis, c'est que s'il y a quelqu'un qui est perdu, s'il y a quelqu'un qui est trop stupide, bête, il faut le taper. Mettez-vous à plusieurs même d'ailleurs, ça peut encore mieux marcher. Comme ça, il va retrouver peut-être ses esprits, tu vois. C'est dans les hôpitaux psychiatriques, ça se trouve, c'est ça qu'ils font, tu vois. Ils donnent pas de médoc, non, ils les tapent. Ils font des duels d'épée. Ça n'a aucun sens. Ok, c'est cool. Le cauchemar de Jack, les amis. Bah là, je pense que c'est assez clair. Nous allons voir Jack. Bonjour. Il est en train de se marrer. Il est en train de se...
de se marrer tout seul. Bah écoute, chacun sa... Ah, attendez, vous savez quoi, on va essayer la dash. Mais non, mais... Laisse-moi prendre la dague, gros porc. Allez, viens. Boum. C'est que ça empoisonne. Back to the depth, I go. That showed me through. Yes. My soul is free. C'est pas fun, hein. Ah là là, je vois l'intérêt de la dague, je la vois, mais c'est hyper dur de l'utiliser. Regardez, j'ai déjà plus de... J'ai déjà plus de... Comment ça s'appelle de, d'énergie, enfin de... Comment ça s'appelle? De savoir-faire, voilà. J'ai plus de savoir-faire, alors là, c'est un peu galère. Faites chier! Do your worst. Il n'y a pas de combo, je suis obligé de spammer juste le Y pour que c'est pas drôle. Il sait faire que ça, pareil, lui, il fait chier. Mais nique! Le fun dans tout ça, il y en a pas vraiment hein, pour l'instant. Mais regarde, il est juste chiant lui. Putain, mais tu sers à rien, bro. Tu sers à rien. Comprends-tu? At last, I can rest. Ok, je peux avoir maintenant ma petite flamme. Toujours pas. Non, je suis obligé de le tuer lui. Oh shit. C'est pas possible ça. Allez, lay. Regardez ça. Mais il se cache. Non, il faut admettre quand même que les ennemis sont durs. J'aurais compris, tu sais. Pourquoi je l'aurais compris ça? Par contre, c'est quand tu veux pour le mettre le feu là-bas. Oh, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Oh putain, j'allais sauter. Ouais, c'est drôle. Ah, d'accord. Ok, bah oui, évidemment. On me le dit pas, ça, hein. Ah non. Quelle idée. Pourquoi me dire ça? Non mais qu'est-ce que tu fais? C'était pas prévu ça. Il y a deux coffres là. On va essayer de les avoir en 1v1 à la loyale sans fouet. Defend yourself. Oh, c'est trop relou. Non, en vrai c'est relou. Entre nous, je trouve que les ennemis sont trop relous. J'espérais quand même qu'on m'attaque pas pendant que je sors. 3 sur 6. Petite larme de Calypso, je sais plus où j'en suis d'ailleurs dans ça. Bon, si l'autre il est bloqué, franchement ça m'arrange. Oh, arrête de parler, t'es chiant. Allez. Pas beaucoup de combos, c'est chiant, on fait chier. Est-ce qu'il y en a encore un? Bien sûr qu'il y en a encore un. Sinon, c'est pas drôle. Ah, qu'est-ce qu'on se... Come on!
on! Come on, baby! Back to the depth. Oh putain, attends, oh, on s'écarte. Yes. C'est bon? On est bon? Non, on est pas bon. Putain, mais... Lourd. Pardon, excusez-moi, j'ai pas pu me retenir. J'étais trop occupé à fuir. Mais c'est, ça se trouve, c'est à l'infini les trucs là, non? Back to the depth I go. S'il y en a encore un qui réapparaît, bah oui, c'est à l'infini en fait. Faut que je monte. Defend yourself! This ends now! En fait, je perds ma vie, je perds mon temps, mais pour rien en fait. C'est vraiment du fun absolu ce jeu. Attendez, y'a pas un truc. Bon, pas bon. Hop là. Y'a de la pomme, hein. Eh ouais. Ça vaut le coup, monsieur, ça vaut le coup. D'accord, c'est là d'où on vient, c'est excellent. Hop là, un petit saut, un deuxième petit saut, un troisième petit saut. Oh, le bon checkpoint là qui te fait plaisir. Aïe 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 aïe. Ok, là il y a une corde qu'on va rater. Ah, c'est bon. On l'a eu, on l'a eu. Allez, j'applique la méthode que Tarzan m'a donnée. Ouais, c'est bon, c'est réussi. Ouh, ouh, ouh. Oh, j'apprécie ça. Dry clay back, will you? Oh, oh. That showed me. J'ai le checkpoint, je m'en fous. Voilà, j'ai réussi à le faire. Wouhou! C'est incroyable, monsieur. Je suis trop balèze. Une pomme, de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah si on peut le one shot, en vrai ça m'arrange. Yes, des petites plateformes, je dis pas non. Yourself. Attendez, on va l'écarter un peu. Là, c'est bon. On va le faire rapidement. Ok, c'est bon. Bah, j'ai de la chance, en fait, il n'y en a pas d'autre. Ça sert à quoi ces plateformes si on ne peut pas les utiliser? Là, c'est par là qu'il faut aller, non? Non? Bon, no comment. Non, vraiment, no comment. Là, je. Ouais. En fait, le problème, c'est que je ne sais pas. Je sais pas comment on fait pour monter. Faut peut-être tuer tous les ennemis. Attendez, on va voir. Ouais, ok. Moi je veux bien, mais bon. Là en fait, le truc c'est que la porte elle est. Mais c'est même pas une porte en fait. C'est rien, c'est juste un décor mur. Ah bah si, c'est bon. Ok, d'accord, c'était comme ça. Et les hitbox, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mais s'il vous plaît. Y a un problème de profondeur, s'il vous plaît, monsieur.
Ah ah mais en vrai, je sais pas. Wow, 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 j'ai failli tomber. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon, au final, on réussit pas. Y a un truc. Y a un truc qui se fait. Ouais, monsieur. Mais bien évidemment, j'adore quand tu dis des choses comme ça. D'accord, là, l'île de pommes qui ne sert à rien, du coup. Defend yourself. Bon, je pense qu'on est bon, non? Bioli. On n'est pas trop mal. Bioli. Donc toi t'es chiant. Non. L'enculé. Oh l'enculé. BAM! Ah mais il donne rien! Oh là là, mais il donne vraiment rien ces trucs là. C'est nul! Bon! Ok, là on y va. Le petit fouet. Le fouet j'adore, hein. C'est un coup de cœur. Je vais pas me faire chier. Sous les conserves, moi j'utiliserai le fouet. Pomme. Yes. Non. My soul is free. Back to the depth I go. Livre de pommes, j'aime bien le concept. Là, bon, elle est plutôt pas mal pour l'instant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Tu vas mourir! Try feedback, will you? Come on! La map est assez grande, hein. Yes. Je sais pas trop où il faut aller. Je suis le tour là pour l'instant, mais je sais pas exactement où il faut aller. Je découvre la map en même temps que vous. Drive me back, will you? Ok, il y a une porte là-bas, c'est sûrement là-bas qu'il va falloir fuir. Back to the depths, ok. Il donne rien, évidemment. C'est l'idée. Oh! Oh, aïe aïe, ça me met bien ça par contre. Est-ce qu'il y a d'autres trésors? Apparemment, oui. Il est en bas. En bas, il est en bas. Ouais. Hop, c'est le dernier normalement. C'est parfait, c'est bien le dernier en plus. Yes! Bah là, on a. C'est parfait là. Ah, je peux pas descendre comme ça? D'accord, ok. C'est pas grave, je sais comment faire.
Ah, j'aurais pu faire un X. MB, désolé. C'est pas grave, on va le dégommer ça rapidement. Ah, il est là, le petit trésor. Hop là. Ok. L'arme de Calypso. On est que... Ah bah oui, c'est le premier qu'on a eu. Ouais, bah écoutez, vous savez quoi. L'ennemi est très loin. Yes. On va y aller directement. On va pas s'embêter. Ah, nous avons retrouvé Jack. Ah, ça j'apprécie. J'adore l'idée. Excellent! Le navire à l'envers! Et on se rappelle de cette musique qui était dans le secret du coffre maudit. Alors je regarde juste l'heure, les amis. Ça fait 20 minutes. Les amis? Je m'étais dit que si on retrouvait pas Jack à la fin de l'épisode, bah même s'il dure 40 minutes, je voulais retrouver Jack. Mais vu que là on vient de le retrouver, en fait, ça fait 20 minutes d'épisode, je me dis on peut s'arrêter là. Ça se fait. J'adore cette musique. Qui n'aime pas cette musique? Non, vraiment. Incroyable. Eh bien, c'est sur cette musique de Pirates des Caraïbes qui est vraiment connue que nous allons nous laisser ici. Nous avons retrouvé Jack, c'est parfait. Maintenant, nous allons tout simplement essayer de sortir de l'antre de David Jones, je pense. Donc, les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour le navire à l'envers. Ciao tout le monde.